Et on part sur le 5-5, qui est un niveau qui est assez sympa, qui n'est pas forcément super facile, mais assez agréable à jouer. Alors, le premier saut, et les premiers sauts sont réputés assez difficiles au début. Donc, moi, ce que je vais proposer, c'est ce saut-là, qui consiste donc à avaler la fleur, et dès qu'on va sauter par-dessus, alors il y a deux possibilités, soit on fait un petit gauche-droite comme ça, et tout en gardant notre vitesse avec droite jusqu'au bout. Moi, ce que je vais proposer, c'est de relâcher le D-pad pendant un temps, le temps de passer au-dessus de l'ennemi. Donc, ça va ressembler à ça. Oups. Oups, évidemment. Comme ça, voilà. Et on va voir le temps de l'avaler, hein, en fait. Oups, pardon. Oh là là, on va commencer depuis le début. Je suis assez dans un mauvais cycle. On peut l'avaler ici, ça va nous garder. Possible d'avaler cet ennemi-là. Qu'on va pouvoir garder plus longtemps, lui, et qu'on va pouvoir avaler quand on passe par-dessus. Et là, on prépare son futur lancer. Donc là, j'ai pouce sur A, index sur B. Comme ça, on tue cet ennemi et on passe à l'écran suivant. Là, on évite le mid-ring, évidemment. Section assez simple avec l'hélicoptère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de faire ça, parce qu'on peut se faire toucher de temps en temps par l'ennemi, donc là c'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par en dessous ici, et ensuite on va aller au-dessus, et ça c'est garanti de ne pas se faire toucher. Et on va descendre en bas à droite quand la première flèche va disparaître de l'écran. Comme ça. Et on voit qu'on atterrit pile poil ici. Troisième écran. Plus complexe. Ce que je vais proposer, c'est d'éviter. Enfin, soit vous pouvez prendre le mid-ring, et à ce moment-là, c'est très très simple. Hein. On a vraiment dégagé l'espace ici. Je pense que est-ce qu'on en a même dégagé plus ou pas en faisant ça? Ouais, on voit qu'on a quand même bien dégagé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter entre les deux ici et qu'on va avaler un ennemi. Et ensuite, on va sauter par-dessus là. On voit qu'il y a pile poil la place. Hein? On voit bien ici, quand on est entre les deux, il y a la place. Ça paraît chaud, mais ça passe toujours. Et à la fin, ici, on va vouloir sauter sur le point d'exclamation, mais par ici, ça va être mieux d'un point de vue angle caméra après. Au moment où on est sur la plateforme, on réappuie sur B, ça nous permet d'avoir le flutter. Ici, on fait tout depuis un cycle et dès qu'on est sur la plateforme là, on peut sauter ici. Par-dessus là, là je réappuie sur B. Et on est à la fin du niveau. Donc un niveau qui a première vue est pas facile. Le premier écran reste relativement compliqué, mais avec les bonnes directions, on va déjà s'améliorer. Et le troisième écran qui finalement est pas si compliqué que ça, une fois qu'on sait comment skipper le mid-ring correctement.